Yo les gars, c'est Jeffrey, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 22e épisode de la carrière FIFA 21 sur PS5, toujours, hein, bien sûr. Et on s'était qualifié en Ligue des Champions, rappelez-vous. Donc on avait découvert notre groupe qu'on allait avoir parce qu'on avait gagné les barrages contre PAOK sur une double confrontation. 0-0 au premier match, mais on avait réussi à gagner 2-0 au second. Et on avait également fait une victoire à l'extérieur 3-0, comme on peut le voir. Ouais, après je m'étais, enfin pas blessé, mais j'avais plus d'énergie dans les 3 matchs. Du coup, j'ai dû sortir aux 3. Malheureusement, j'ai pas fini un match de la dernière vidéo, mais on va rattraper tout ça, j'espère, aujourd'hui. Avec comme premier match, on va voir ça, RKC. C'est un nom bizarre, on va voir ça. Ils sont là, RKC. Waluigi, désolé pour la prononciation, on dirait RKC, c'est déjà mieux. Et ouais, au classement on était troisième du coup, mais regardez là, la bataille qui va se jouer entre les 4 premiers, tous les 4 à 12 points, qui sera champion on verra. On va tout faire pour l'être en tout cas, et on va attaquer hein, sans plus attendre les gars. Il n'y a plus grand chose d'autre à regarder, niveau info je crois qu'on n'a pas grand chose. On va vite fait tourner ici, mais ouais, payez nous. Ok, ça c'est pas nous. Ouais, voilà, on a rien de spécial. À part Xavi qui a été décisif contre l'adversaire PAOK. Donc c'est parti, on va s'attaquer à ce match face au 13ème. Cette fois-ci, j'ai beaucoup plus d'énergie, ça va être beaucoup mieux. On a Götze, on a Xavi, on a moi. On a tout ce qu'il nous faut, les gars, pour aller gagner à domicile en plus. On est. Donc on aura nos supporters pour nous pousser. C'est parti les gars. On va attaquer ce match. Le premier de la vidéo. Allez. Allez, c'est parti. Bien joué. On se remet. Ok, on lui a remise. Bien joué. Ça c'est une action. La fin de frappe. On attend un petit peu. On enroule. Oh là là, ça passe pas loin. C'était une belle action, dommage. Peut-être frapper un peu trop tôt ou trop tard. En tout cas, ça passe à côté, c'est pas grave, allez. Ok, je suis encore seul. Je la joue en bas. Elle est belle, cette balle. Il a son temps, il a tout son temps. Il m'a vu, je le remets dans l'axe. Oh là là, l'enchaînement de Xavi, super but. Belle passe, il se l'est levé tranquillement, comme s'il était au 5. On va le revoir, franchement, Xavi, il est vraiment très 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 bon. Ça va être très bien pour la Ligue des Champions, surtout il va falloir assumer quel enchaînement il a fait sans problème. Hop là, il se la lève et frappe du gauche, je sais pas s'il est gaucher ou pas. En tout cas, ça fait but, magnifique, bien joué Xavi, on continue comme ça. Nous. Allez, on défend bien, faut quelqu'un dessus quand même. Oulala, le poteau, elle partait pas si fort cette frappe, mais elle a failli tromper le gardien. Attention, sans se jeter. On se jette pas. Non, il a remis. Oulala, il a mis à côté. Oh, franchement, je pensais que c'était fini là. Bien joué à Werner pour cette frappe. Non, je rigole, il est fort Werner en vrai. Non. Ok, va siffler à mi-temps. Voilà. Mi-temps, les gars. Fin de première période. Assez mitigé. En vrai, on a fait pas mal de tirs, je pense. Ouais, voilà. 4 tirs de cadré, c'est pas mal. Et un but, mais attention parce que même s'ils ont cadré 0 fois, les 3 frappes c'était à l'entrée ou dans la surface, c'est très très dangereux parce que ça finit sur le poteau et une juste à côté, mais franchement je pense que la prochaine il la met au fond des filets, ça c'est sûr. Allez gars, on repart, faut pas se relâcher. Bien joué, tu me la mets de la tête, je te la mets en bas, allez, tu m'as vu, on se la décale, oh l'enchaînement. Oh l'enchaînement qui est parti là. Incroyable, Xavi, t'inquiète pas, moi aussi je vais le faire. Et en mieux, c'est la 2.0, cette version là, que je viens de faire, magnifique. C'est quand j'appuie sur le joystick que ça la lève comme ça, je l'ai tenté. Quel contrôle de la poitrine après la reprise de volée du droit, alors que je suis gaucher, qui part parfaitement bien. Quel but, incroyable. Un de mes plus beaux je pense, hein. Franchement c'est... C'est très bien ce qu'on fait. Si moi et Xavi, on fait ça, attention, parce que ça va envoyer du lourd cette saison. Magnifique. Attention, faut quelqu'un. Penalty, mais quoi?
Mais il a encore la balle. Mais comment ça, pénal? Ah, vas-y, c'est go. Mais comment tu peux siffler pénalty sur ça? On va la revoir, mais... Même si à faute, il a pas perdu la balle. C'est pas comme si c'était une faute de fou. Hein. Allez, gardien, s'il te plaît. Oula, Panelka, l'insolence. Faut faire attention, les gars, c'est pas fini. C'est que la 61e. Attention. Vraiment attention, on sait jamais. Hein. Pas sûr qu'il y ait penalty, mais ouais, ça fait but au final et il compte le but. Hein. Allez, encore. Tu m'as vu. Bien joué. Allez. Je la décale en retrait. Encore. Super. Bien joué. Tu m'as vu au centre. Tu m'as vu au centre. Très très belle action encore une fois. J'étais sûr que si je la demandais normalement, il pouvait que me la mettre dans les meilleures conditions. Parce que j'ai fait le bon appel au bon moment. Et c'est passé magnifique. On va le revoir parce qu'on a travaillé ce but tous ensemble. Et je suis content que ça finisse au fond des filets. Hein. On va revoir ça. Très très beau ce qu'on a fait, très très beau. Voilà, il a redécalé en bas, il a mis en haut, et là j'ai fait l'appel et la reprise de volet. Je ne vais pas laisser de chance au gardien. Cette fois-ci, c'est de mon pied gauche, mon pied fort, et ça se voit. Super les gars, 3-1 du coup. Ça fait du bien de marquer ce but pour se mettre à l'abri. On n'était pas à l'abri de s'en prendre un justement, mais là on est bien. Allez, ok, va dégager. Nickel, il s'est complètement raté. C'est la fin de ce match, les gars. 3 buts à 1 à domicile. Très, très belle victoire dans un très beau match. On va voir de mon côté ce que j'ai fait. Ok, 10 de notes, ça c'est très bien. Une passe D et un doublé. Du coup, on est impliqué dans les 3 buts. C'est très bien, ça aussi. 60% de tirs cadrés, ça va, franchement. Et 88% de passes réussies. On pourrait faire peut-être un peu mieux. On a quand même 2 passes clés, c'est pas mal. Allez, on va continuer tranquillement. On va voir un petit peu ce qui se passe du côté du classement déjà. Et dans un second temps, on va voir un petit peu... Ah ok, on a la fin du calendrier. Vas-y, on va la faire maintenant. Bon, c'est fait. Ok les gars, du coup, niveau classement, regardez un petit peu. Hop, on a Feyenoord premier avec 15 points. On les colle parce qu'on a autant de points qu'on en a 15. Mais nous, on a 5 matchs. Ok, ça c'est bien. Donc on peut passer premier avec la victoire sur le prochain match. On va voir un petit peu. Mais ouais, on peut passer premier. Et après, on a AZ et Ajax qui se sont décollés un petit peu. Ils sont à 13 et 12 points. Mais regardez les gars qui on affronte pour ce prochain match. AZ, du coup, les 3e. Ouais, je sais, c'est pas que AZ, mais au moins ça va vite pour le dire, parce qu'après le nom entier, c'est un petit peu plus compliqué. Mais ouais, on affronte du coup AZ, du coup celui qui gagne, il passe premier du championnat, parce qu'on est tous les deux à 5 matchs, ils sont à 13 points, mais ça leur fera 16. Mais nous, vraiment, on peut un petit peu s'envoler avec 18 points, donc on sera à 2 points des premiers. On va essayer de tout donner pour ça, les gars. On va partir maintenant, on va juste voir niveau info parce que je crois qu'il y avait 2-3 trucs à voir. Ok, Jeffrey's buteur décisif, ça on sait. Info club, ok, Anthony est élu joueur du mois d'août, donc je suis pas sélectionné. Après moi j'ai joué que 2 matchs hein, je crois dans ce mois. Mais on avait quand même Zavi, je crois que c'est. Ouais, on avait quand même Zavi qui participait, dommage qu'il n'ait pas remporté ce titre. C'est pas grave, allez, on se concentre sur le match face à AZ, c'est parti. Allez les gars, du coup, tout le monde est en forme et tout le monde a pris en général chez nous, ça c'est pas mal du tout. Ça nous fait du bien, on est à l'extérieur cette fois-ci, donc enfin un autre maillot que le rouge et blanc parce que j'avais le même à Sunderland un petit peu. Ça me faisait un petit peu chier pour ça, pour la couleur du maillot, mais c'est pas grave. En tout cas, aussi, ils ont l'air d'avoir une bonne équipe avec du Carlson, du Truich. Ok, Classy, j'essaie de voir un petit peu qui je connais, mais pas grand chose, je vais pas vous mentir. Enfin bref, allez, c'est parti, nous on va les gagner ce match. Allez, on va essayer de tout casser. Très beau stade, très beau maillot aussi. Franchement, ça change complètement de ce que j'avais, du coup c'est pas mal. Allez, c'est parti. Ok, je l'ai,
Je te la mets en haut. Oh, déjà. Ok, j'y vais en reprise de volée. Oh là là. Putain, quel tir. Pourtant, j'étais pas dans les meilleures conditions, mais j'ai failli battre le gardien. Il a centré comme il pouvait. J'ai tiré comme je pouvais. Et ça a failli finir au fond sur cette première occasion. Je la mets là. Super. Très bien ce qu'on fait. Tu m'as vu en profondeur. Quelle action! Quelle action! Quelle action! Et on l'a fini cette action avec un tir foudroyant qui vient détruire le gardien. Superbe frappe et superbe but. Superbe action aussi. Que des superbes les gars. Très très bien ce qu'on fait franchement. 1-0 face au troisième. Fallait le mettre ce premier but pour imposer nos règles dans ce match. On l'a fait. Très très beau tir. Il flambe vraiment par contre ce maillot. J'adore. Comme ça c'est vraiment bien. Ok, allez, on continue les gars, on est super bien. 15e minute à peine, donc il nous reste du temps. Allez. Attention là-dessus. Attention là-dessus. Et ouais, on encaisse. Putain, on encaisse. Première action pour eux. Et premier but, 25e minute. Donc on voit bien que ce match, il n'est pas fini. Qu'ils peuvent marquer à tout moment eux aussi. Ça va être compliqué, ce match. Faut pas oublier ouais, que c'est les 3e. Moi, je me relâchais en mettant le premier but, en me disant que c'était bon, on allait gagner, mais faut faire très attention. Ils sont troisième, hein. c'est pas pour rien, c'est une très bonne équipe. Il est déjà 3 buts, là on est redivisible. Oulala, la grosse frappe, je ne m'attendais pas. Bel arrêt du gardien, heureusement. Bien joué, gardien, encore, putain. Oh non, putain. J'allais continuer, dommage. Fin de la première mi-temps, je sais pas s'il va me faire sortir, les gars, j'en sais rien du tout. On va voir ça. J'espère pas, mais c'est vrai que ça m'a enlevé énormément d'endurance. En tout cas, le match, il est assez serré. Il y a vraiment pas mal d'actions des deux côtés. 2 tirs de cadré pour eux, un seul but. Et pareil pour nous, sauf qu'on a un tir de plus. On a la possession, c'est vrai, mais on n'en fait pas grand-chose. Ah yes, il m'a pas sorti, on continue les gars. Allez, bien joué, je t'ai vu. Tu m'as revu en bas. Si tu arrives à la mettre, super, super. Je la croise, oh non. Oh, j'aurais dû tirer premier poteau parce que mon pied droit malheureusement. Et pourtant, j'ai pas mis le joystick aussi loin. C'est juste que c'est mon pied droit, je pense. Bon, il y a un petit peu de ma faute aussi, mais... Enfin, de toute façon, j'aurais pas dû tirer là, tout court. Attention. Attention là-dessus en profondeur. Gardien. Gardien ! Super ! Il est incroyable, heureusement. Heureusement, bien joué. Quel arrêt encore. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je peux y aller en vitesse. Allez ! Allez ! Je la centre au second poteau. Au second poteau. Oh, ce qui loupe. Ce qui loupe. Mais pourquoi il a visé là avec la tête? Putain, il a trop croisé. Ça passe à ras du poteau. Mais vraiment à ras. Bien joué, j'y suis. Je t'ai vu en haut. Allez. Tu m'as vu. La fin de frappe. Je le remets dans l'axe. Et la finition incroyable. Bien joué. Quel but encore, quel but. 2-1 pour nous les gars, magnifique ce qu'on fait. On reste concentré, je m'emballe pas cette fois-ci parce que on a vu qu'avant ils sont remontés. Mais c'est vraiment bien ce qu'on a fait. Très très bien. Superbe action, allez, allez. Zavi, vraiment, il est incroyable ce mec, incroyable. 7 buts. Très bien, très bien. Allez, allez. Bien joué, la récupère. Oh. Attention, on jette pas, on jette pas. On se jette pas les gars, encore. Super, non. Oh non, ça lui revient dessus. Quelle chance il a eu là, mais quelle chance. Là, j'ai bien fait de pas m'emballer, hein, parce que franchement, ça arrivait 5 minutes après, même pas. Vraiment dommage. Et encore, là, c'est même pas notre faute, ça lui revient dessus parfaitement. On va revoir ça. Un tir loupé, il a retouché notre défenseur et ça lui vient dessus.
Il n'a plus qu'à finir, malheureusement. Le gardien, elle est très compliquée, celle-là. Elle arrive vite. Et ça finit au fond pour eux. Allez, vers 64e, c'est pas fini. On peut encore le mettre, ce but, et repartir de ce match avec la victoire. Oh non, je crois que je sors. Oh, je sors, les gars. 71e, malheureusement. J'avais plus grand-chose dans les jambes à apporter. Plus beaucoup d'énergie. J'espère qu'ils vont gagner, on va simuler la fin du match, je pense, tranquillement. Allez les gars, faut le gagner ce match, s'il vous plaît. Allez. Ok, ben ça finit en 2-2. Dommage. Quand même, match nul contre les troisièmes, c'est pas négligeable, mais bon. On aurait pu faire largement mieux, je pense, même si ils avaient une très belle équipe. Et là, regardez les gars, le prochain match, tout animé, ce fond. En Ligue des Champions, parce qu'on joue Séville pour ce premier match de LDC. On va juste simuler jusqu'au match. Hop là. Ok. Séville. Il doit avoir une de ces équipes de fous. Comparé à nous, ça doit être incroyable. On va aller jouer ce match tranquillement. Il y aura aussi le Bayern aussi à jouer. Ça, c'est incroyable. Allez, on va y aller sans plus attendre. On verra le classement de l'Eurodivisie à la fin de ce match, si jamais. Donc c'est parti, face à Séville. On se concentre, ils ont quoi comme équipe? Ouais, une très grosse équipe. Bonucci, Navas, Diego Carlos, Acuña, Amadou, Rakitic, Torres, Ocampo, Idrissa et Mounir Eladadji. Putain. Et nous, on n'est pas en forme du tout, ça. Ça pue un peu, par contre. Beaucoup de joueurs fatigués. On va tout donner. C'est la Ligue des Champions, les gars. Faut y aller à fond. Regardez, ils sont là. Ils ont l'air concentrés. Bonucci va pas être facile à passer. On va tout donner. Voilà, on s'échauffe tous ensemble. On a du Xavi de notre côté qui peut nous apporter pas mal de choses. Allez, les gars. Très, très beau stade. Attention, parce que c'est chez eux. Ouais, j'ai pas précisé, mais. Vu le tifo, j'imagine que ça se voit. On est à Sanchez-Pizjuan. Il faut les gagner ce match. Très beau ballon. Très belle rencontre. Allez, on va passer un petit peu. Voilà, on regarde 2 secondes. Regardez ça, ce qu'on joue. On commence à jouer de gros joueurs. Là, ça fait du bien de faire de belles rencontres. On va serrer pas mal de mains qui ont touché des Ligues des Champions. Là, en pensant à Rakitic. Ouais, allez. On est parti, les gars, pour ce match. On joue avec notre troisième maillot en plus pour changer. Allez, faut tout donner. Attention, attention. On défend bien. Allez, te jette pas, s'il te plaît. Bien joué encore. Oh non, attention. Oh lolo, le poteau. Oh, les gars, ils sont toc de chaud. Ça n'a rien à voir avec tout ce que j'ai affronté depuis le début de ma carrière. Ça, je peux vous le dire, c'est un niveau au-dessus. Il rate rien du tout, il joue aussi vite que le Barça. C'est très compliqué. Très très compliqué. Là, bien joué. Bien joué. Je l'attends d'ici, pourquoi pas? Oh, elle est partie bien. Elle est bien partie plutôt, c'est un peu plus français, mais je pense qu'elle est pas passée si loin. Ouais, quand même un peu. Ok, ouais. Elle est passée un peu loin, mais franchement, ça se tentait. Tu m'as vu dans le trou par contre là? Tu m'as vu dans le trou là par contre l'enroulé. Oh là là. Le premier but en Ligue des Champions pour ma part. Quel but face à Séville. On vient leur montrer que chez eux aussi, on va venir gagner. Magnifique. Quel but. J'ai vu l'espace, j'ai vu que personne m'attaquait. Du coup, j'ai pris mon temps. Et l'enroulé, heureusement qu'il se baisse bien. Xavi s'est passé à ras de ses cheveux. Regardez ça. Si ça tentait pas, je pense que je frappe. Et le gardien, il était un petit peu masqué. Et ça finit au fond des filets, les gars. Superbe. Superbe ce qu'on est en train de faire. Voilà, ma célébration chez eux. Ah, il fait plaisir celui-là. Espérons que ce soit le premier d'une longue série en Ligue des Champions aussi. On va tout donner en tout cas pour ça. Allez, les gars, on continue. 1 à 0 à la 22e minute. Mais attention parce qu'ils sont très, 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 très chauds. Attention. Attention dans le trou. Non. Non, quelqu'un, quelqu'un! Oh là là, on l'encaisse. Ah, oh, il joue très bien, mais
On est un petit peu passif, je trouve, même si c'est sûr que c'est très compliqué, ils sont très bons. Mais franchement, on fait pas beaucoup, beaucoup d'efforts, c'est vrai, à part en attaque. Dommage, Radé, il a le trou en s'avançant qu'il a créé, le défenseur. Et là, il a explosé la cage au Campos. Le gardien, par contre, je pense qu'il peut absolument rien faire. La frappe, elle est extériorisée. Il a troué les filets. Allez, faut pas se relâcher. S'il vous plaît, pas avant la mi-temps, les gars. Attention en bas. Attention en bas. Et ouais, au Campos en vitesse. Allez, contre-le. Contre-le. Wow, il est explosé. Oh, il avait tué sur la roulette. Heureusement, il avait tué sur la roulette. Il est parti dans les abysses, le défenseur. Heureusement qu'après, il fait la mauvaise décision et qu'on a un très bon retour du défenseur. Mais au Campos, il est en feu. Malheureusement, en plus, moi, je peux pas me donner vraiment à 100% parce que j'ai pas toute mon énergie dès le début du match. Mais ouais, ça reste compliqué. On va voir les stats. 3 tirs de cadre et un but. 3 tirs de cadre et un but aussi. Ok. Ils ont la possession, c'est logique. Hein, les gars, on est chez eux et ils sont beaucoup plus forts que nous. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais on peut créer une surprise et c'est les matchs comme ça qui nous feront prendre 3 ou même 1 point. Et qui vont nous permettre de passer si on veut passer en tout cas. Donc on va tout donner pour. Bien joué. Super. Voilà. On l'a vu dans le trou. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît. Le 2-1, les gars. 51e minute. Quelle passe décisive pour Gakpo. Lui qui n'était pas titulaire. Parce qu'il y avait Mario Götze. Il vient là marquer ce but. Quelle frappe. Très, très, très beau tir, les gars, à terre. Gakpo, je sais pas si j'ai dit Garpo ou Gakpo, mais c'est Gakpo en tout cas. Ah non, en fait, elle est pas si à terre, mais très beau but, les gars. Il fait du bien. On leur fait peur, on leur fait mal. Et c'est ce qu'on veut, même si on le perd, qu'on aille le perdre avec nos armes. Et c'est ce qu'on fait là. Faut continuer, les gars. On peut largement prendre les 3 points, même s'ils sont monstrueux. Allez. Bien joué. Encore. Attention. Gardien. Non, on encaisse. À 5 minutes de la fin, il lui met un caviar. Il la met en pleine lucarne. C'est pas possible. C'est pas possible. Oh non. Partez si bien. Quel passe lui met Rakitic. Et le contrôle, l'enchaînement parfait. Elle a dû partir à 130 km/h, la frappe, c'est pas possible. Elle a été tellement vite, même sur le ralenti, elle va vite, c'est pas possible. C'est pas possible. Ah, je suis dégoûté, 5 minutes de la fin. Allez, faut pas lâcher, faut quand même partir au moins avec un point d'ici. C'est important. Allez. Attention, non, pas sur la dernière occasion. Je viens de défendre. Je viens de défendre avec vous, les gars. Allez, on l'encaisse pas. On est tous ensemble. Non, non. Oh non, je provoque le penalty, le con. Oh, le con. Mais non. Le con. Oh, j'ai pas le droit. Pas moi. Pas moi, mais non. En plus, il me fait sortir alors que c'est fini. Putain, mais non. On va le regarder. Hein. S'il te plaît, gardien, je t'en supplie. Gardien! Bien joué! Oh là là, il la sort sur ce penalty de Campos. J'allais tout gâcher, mais il nous redonne espoir. Quel arrêt! Oh là là, lors des 10 dernières secondes, il va l'arrêter. Putain. Attention de ne pas encaisser sur le corner quand même. Attention. Allez, quelqu'un. Dégage là. Oula, il a failli la mettre contre son camp. Il a failli la mettre contre son camp. C'est pas fini. Encore un corner. Allez, les gars, allez. Tu l'as. Oh, il a failli mettre une retournée. Vaut mieux qu'on s'en aille, les gars. 2-2 dans ce match. De fou, de fou. C'est vraiment un match de Ligue des Champions comme on les aime. On était faire 2-2 contre le FC Séville, au FC Séville en plus, pardon.
Donc vraiment, ouais, c'est pas mal. Franchement, on s'est donné pour avoir un tel résultat. Une passe D, un but de mon côté. J'ai provoqué un pénalty à la dernière seconde. Heureusement que le gardien nous sauve. Regardez, ils ont un petit peu plus dominé. C'est sûr qu'ils méritent, je pense, la victoire. Mais vraiment, il fait du bien pour nous, ce but. Ce point plutôt. Donc c'est parfait. Ok les gars. Mais nickel. Hein. On finit vraiment pas mal ce match. On va tout simuler vite fait. Voilà, ça c'est fait. En vrai, on n'est même pas encore à 80 en général, donc ça va. Hein. Voilà, on simule jusqu'au prochain match. Et on va faire un point dans le classement de l'Eurodivisie avant de se laisser. Donc on est second avec 16 points. Mais on a un match de retard. Feyenoord qui n'ont pas perdu. Ah oui, ils ont perdu un match et nous on a fait un match nul. Ok, ben il va falloir assurer le prochain match de la prochaine vidéo pour pouvoir passer une nouvelle fois premier. AZ qui sont à 14 points, donc ça va. Et l'Ajax à 15 points, donc il faut faire un petit peu attention. Ils sont quand même point de nous. Pas d'erreur, ni de nul, ni de défaite. En tout cas, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement, c'était trois très beaux matchs. Et notamment le match en Ligue des Champions. Un match fou comme on n'a jamais vu dans cette carrière en tout cas. En tout cas les gars, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire pour me dire ce qui va pas, comme je le dis tout le temps. À liker. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.